dans la criminologie, non. Yo déterminé là. Des criminels, criminels nés, criminels passionnés. Chaque criminel a une catégorie. Mais mon gros philosophe, mathématicien, physicien, qui c'est Albert Einstein, il s'est dit comme ça, c'est pas moun qui a fait bombe atomique, yo. C'est pas moun qui a fait zame de destruction massive, yo. C'est pas moun qui a fait bombe intercontinental, yo, méchant, mais c'est moun qui fait mes bouches, yo, qui va dire rien, c'est eux-mêmes qui criminels là. Mais c'est ça, nous-mêmes des avant-gardistes, d'un coup, RASO, IRH réveillé, OFF, AV, NODRA, JIDA, KJM, Force 3e, Plateforme Rosalvo Robo, KJKPL et le Cité Soleil, ATDEM ne m'a rien fait. Nous dit bataille que nous entamons, bataille pour mettre Ariel Henry dehors, nous perdons dans la bataille là. Le pourquoi? Nous dit, les nouvelles révolutions, c'est changer, améliorer les conditions de la vie massio. Les nouvelles nous cadres, connecté, l'université n'a pas épargné, l'école n'a pas épargné, l'hôpital qui l'a pour les premiers soins, les bagues l'hôpital, nos pays, eh bien, ou non, ça a été destruction massive. Il y a un monde qui a dialysé, près de 600 personnes dialysées par jour, entre l'hôpital privé et l'État. Il y a un hôpital privé, on a dialysé pour $300 américains deux fois par semaine. Tandis que l'hôpital général fait deux fois par semaine pour $1,200 haïtiens. Et là, l'hôpital général n'a pas existé encore. L'hôpital privé n'a pas fonctionné, par exemple, l'hôpital Saint-François de Salou n'a pas fait avec la boule. Ça boule net à tout patient. La donne, il faut nous connaître ça tout, pour information. Mais je dis, deuxièmement, il y a deux hôpitaux, les gens qui ont dit que c'est pas précieux, qui vont le faire, c'est le fait chancel ou bien le fait de l'hôpital général. Eh bien, pour maternité, senti moun fait de statistique 5 mouris, je dis à 5 fêtes, par effet de quoi c'est 5 mouris, et là, que nous sommes peuple qui a détruit. Si nous parlons de révolution, nous ne pouvons pas parler de autodestruction, non c'est ça. Exactement, nous-mêmes, organisation ça, nous proposons clair. Tout ça qui symbolise, ça a les matrices, peuple là, nous prenons l'université, c'est là pour penser, c'est là la révolution a commencé. Là où nous disons, rejoignez-nous dans la bataille révolution de la Paléa, ou détruit l'université. Ou a détruit la bibliothèque nationale, connaît que Bouchène a acheté à faire recherche pour mettre les bagages de tête, ça a les matières grises, pour qu'on ait nos hommes de main. Laisse ça, ou détruit près de 4 à 5 générations à venir, nous pas qu'à marcher dans le bagage ça. Les hommes, ou prenez une décision de marcher, ou faire révolution avec nous, ou parler même d'histoire avec nous, connaît que vous dites, pour y venir. Ça, ici, on a constaté dans qui trou sans fond qui a été plongé. À cause de nous pas gagner des dirigeants qui gagnent bonne volonté. Je ne dis pas nous avons plus de tractation qu'à fait. C'est pas pour ça nous te bataille contre Ariel Henry. C'est pas pour ça nous te prenons gaz dans l'université. C'est pas pour ça nous te campé pour nous bloquer pour carnaval pas fait pour peuple pas de ce carnaval kidnapping. C'est pas pour ça nous te bataille nous te rester dans la rue après gaz dans mes Simons journaliste après coup de bonbon gaz étudiant prend balle. C'est pas pour ça nous te bataille. Nous avons bataille pour nous courir derrière un régime sanguiné qui gagne la tête de la galerie avec André Michel qui gagne comme mission pour détruire la population haïtienne. Et bien, je ne dis pas, nous avons campé pendant un certain temps, nous gourmets pour nous jeter dans ça, nous orienter l'opinion publique, nous disons à l'opinion publique, mais qui crime n'est-ce qu'on fait sur la population, mais comment on détruit nous, mais comment nous ne pouvons pas vivre dans la société. Et bien, je ne dis pas, peuple, gardez l'oué, des bagages qui plus mal qu'à passer. Et bien, nous-mêmes étudiants de l'université de l'État, position nous claire et simple. Pour nous sortir dans la maresse, pour nous sortir dans la situation chaotique ça que nous y est là, nous besoin un consensus national. Nous besoin un gouvernement qui reflète toute couche de la société. Madame Sarah, vous avez coupé, vous avez dit rien. Étudiants, vous avez dit rien. Et si bébé, vous avez dit rien. Pharmaciens, vous avez dit rien. Et bien, nous-mêmes, nous disons, faut que je coquille mesdames que les politiciens traditionnels doivent faire, faut que cesser avec elle. Nouvelle place politique, nous-mêmes nous parlons de consensus. Je ne veux dire, nous avons des qui ont fait 32, nous avons un groupe qui a fait 32 mois, pire payant, massacrer nous,
Nous, je ne dis pas, il y a nous faut nous aller vers la cour de cassation. On a fait qui ça? C'est même eux-mêmes qui nomment un paquet de juges. Pendant qu'on est juge, on va avoir quel rapport avec question de la loi. Je ne dis pas, nous avons besoin de faire surface encore. Je prends la parole pour me dire, André Michel, Edmond, pour nous dire, Capier, pour nous dire, Matéli pêche, c'est qu'il y a rien à rien dans lui. Pour ça, il n'est pas passé. Parce que le peuple a été véatif. Le peuple a été véatif et le peuple a supporté tout accord qui est capable de retirer Haïti dans tout, dans le marais, pour nous trouver là. D'après vous-même, qui a commencé qui est capable de retirer le pays dans sa vie? Bon, et Jean, sénateur Tinebdel, peut-être toujours dit, c'est qu'on a parlé de conférence nationale. Ok? Pour tout groupe, pour toute couche de la société, hein, les chita sous même table, que ce soit la Valas, que ce soit PHCK ou autre, jeunesse dans tout fort, intégré tout, et mais c'est dans l'accord ça nous. Nous allons dans l'accord côté nègre, les constitutions bambou yo, yo rale à tu, les constitutions bambou yo, yo voye jeter. Je ne j'en dis, nous dit, nous même nous dit, nous n'en accord populaire. C'est Osman Joseph et coordonnateur UHV. Ce constat nous fait à travers tout le pays. Là, nous constatons qu'on va une zone mettre des barrières sur base pour sécuriser tête yo pour bandi pas venir envahir. Bref, il t'a en sécurité. Mais là nous garder les barrières mettre dans rue là ou bien dans zone là, il vient plus insécurité pour moun yo parce que les moun yo traiter des nègres à là, les rentrer des barrières et puis fermer barrières. Si la police t'a vu, ba au coup de main. Parce que même qui est entré, qui est en contrôle, périmètre là-dedans, là, la police a sorti de yo, pour ta vie, mais elle a fermé la barrière, la brouille, elle a parlé sur le policier ou qui est là. Le policier ou qui est là, elle passe par l'action, elle a crasé la barrière. Elle a crasé la barrière, elle a dit, c'est la population civile qui a pris dedans qui fouille, elle a joué. Et pourtant, c'est là qui est entré en dedans, qui mettait la population dans les taux, et puis elle a contrôlé le périmètre là, elle a brouillé par le policier. Moi, mettez barrières, pas en sécurité pour le pays, et même pour vous taper dans la zone. C'est regarder plutôt, regarder comment nous sécuriser tête, nous pas voulons d'ailleurs. Bagaille ça, insécurité ça, avec une victime, un bon monde qui va même connaître rien, ne sert à parler de l'insécurité. Si vous n'avez pas son côté, vous n'avez pas de monde dans la zone, automatiquement, vous mourrez, parce que vous n'avez pas expliqué quand vous parlez. Avec dit, non seulement insécurité ça, puis limiter le déplacement aux citoyens, puis limiter le déplacement au groupe de nous. C'est ça que nous-mêmes au niveau de l'État, nous demandons, il faut que les gens qui sont dans le CSP mettent la sécurité dans le pays. Pressé. C'est vrai groupe de monde qui là, pas voulu la sécurité dans le pays. C'est vrai groupe de monde qui là, c'est dans l'insécurité, ils font fortune, c'est dans l'insécurité, ils ont un bel pouvoir. C'est ça que nous demandons, pressé. Un groupe de monde vient pour le pays pour faire élection. Pour mettre mon président légitime et puis pour mettre sécurité dans la société haïtienne. Et après, sécurité et les gars, il y a l'autre de sécurité côté que bon monde qui va à l'hôpital. L'autre là qui va à l'hôpital maintenant, sur l'autre forme de destruction qui est liée, côté nous-mêmes, nous condamnons tout ça, tout ça qui est sécurité, côté bon monde encore qui va à manger, bon monde qui va mourir grand goût dans la société haïtienne. Et ça n'a pas révolté personne dirigeant. Qui optimise les affaires, c'est ça fait nous-mêmes au niveau déjà. Nous prenons ton pèlerinage. Nous disons toute organisation doit être conscient, nous devons faire bataille contre ancien Mounsaïo, classe politique là, Mounsaïo, secteur privé. Parce que je dis là, si tu es pour bataille, tu es qu'à faire, tu es qu'à presser pour te mettre égoïste de côté, tu es qu'à presser pour installer le gouvernement. Parce que je dis là, tout le monde dans la société haïtienne a presque déboisé, nous avons presque mouru. Et malgré qu'on quitte, en plus là, on quitte la capitale, on a vu la province. Et là, on arrive en province. C'est qui ça, on va le vivre? C'est de la pluie. La pluie va tomber. On va mourir grand goût. On n'est pas courir pour aller en province. C'est à l'État, nous avons quitté dans l'État. Qui a soucié l'État, qui va jamais faire la sécurité, qui va jamais faire une stratégie pour vivre la caillou. C'est nous qui avons la caillou pour aller à Kabini. Il y a André Michel, il y a Major Michel, il y a bon monde qui est dans l'État, c'est quand même ça pour y aller, pour ne pas se prendre à l'endroit, et à l'endroit, c'est mourir, parce qu'il n'y a pas besoin de l'hôpital, il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin d'infrastructure pour fonctionner en dehors. Merci. Merci. Phil Defranc, qui est coordonnateur national, Jida.